Tu es dans un moment décisif de ta vie. Tu es dans un tournant décisif de ta vie. Que tout ce que l'ennemi avait mis pour te bloquer disparaisse aujourd'hui, comme tu m'écoutes. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Tu n'es pas tombé sur ce direct par hasard. Oh Papa Yahweh, je prie pour la personne qui est en train de m'écouter à cet instant. Oh Yahweh, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Que tout ce qu'il y avait dans cette personne-ci qui la bloquait, qui faisait que ces choses n'avancent pas, que ce soit enlevé au nom de Jésus. Oh Seigneur, déchaîne tes enfants. Oh, débloque tes enfants. Qu'ils agissent par la foi. Qu'ils agissent par la foi et non par ce qu'ils voient, Seigneur. Il est temps pour toi pour avancer. Il est temps que tu avances. Tu dois faire certaines choses par la foi. Tu vas dépasser les personnes que tu appréciais avant. Tu vas dépasser les personnes que tu vas... Ah, est-ce que je vais... Tu vas les dépasser parce que le Seigneur est en train de bouger les fondations. Il bouge des fondations pour te mettre en haut. Il bouge des fondations pour t'établir en tant que reine, en tant que roi. Tu vas dépasser les gens dans ta famille qui parlaient contre toi. Les gens qui ont humilié ta mère, tu vas les humilier. Les gens qui ne voulaient pas ton bien, ils auront honte. Ta saison est arrivée. Tu dois savoir te lever. Dis que le tout-ci, même si je dois ramper, je vais faire. Même si je dois voler, marcher, peu importe, je dois avancer. Reçois la grâce, reçois la force, reçois l'ouverture de tes portes, reçois la force dans ton corps. Je te sors de toute immobilisation. On t'a attaché quelque part, tu ne sais même pas. Le Seigneur sait pourquoi. Ce message, c'est pour te dire que lève-toi, tu avances. Lance le business là, même si tu n'as pas tout l'argent. Appelle le bailleur, tu lui dis que je vais payer une partie. Propose. Propose. Va devant la maison là, tu parles. Va devant la maison là, tu parles. Tu prends le fanta, tu peux verser devant la porte. Tu dis que Seigneur, j'aurai la maison-ci. C'est ici que je vais prospérer. J'enlève la peur de votre esprit. J'enlève la peur de votre esprit. Je restaure ta vision. Je restaure tes idées. Ta créativité. Avant là, c'était... Tu es bloqué la nuit comme ça. À 5 heures, tu as une idée. Tu pars, l'idée là te donne l'argent pour résoudre ton problème. Voilà ta puissance. Les gens qui te découragent ne savent pas qui tu es. Les gens qui te conseillent ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas ce que tu peux faire. Ce direct, c'est pour te détacher. Ce direct, c'est pour ouvrir tes portes. Ce direct, c'est pour t'enlever de là où on t'avait déposé. Là où tu pensais que c'est fini pour moi ici. Déclare avec moi, je me lève. L'argent dont tu avais besoin, reçois. Reçois le financement que tu cherchais depuis. J'ouvre une porte miraculeuse pour toi ce soir. Avant demain minuit, tu vas rester, tu vas dire que non. Dieu a vraiment appelé la femme là. Je ne suis pas tombé sur sa vidéo par hasard. Reçois le diplôme qu'il te faut pour ouvrir ton cabinet. Reçois l'accréditation qu'il te faut pour ouvrir. Je te localise dans les bons pays. Depuis que tu es arrivé là-bas, tu galères. Tu galères. Je déclare que tu es connecté au chef d'entreprise. Toi-même, tu crées l'entreprise. Tu croyais au départ que ce n'est pas possible de créer l'entreprise là où tu es. N'est-ce pas? Reçois les documents qu'il faut. Reçois les documents qu'il faut. Reçois les documents qu'il faut. Reçois. Reçois. Je vous ai parlé du sel même percé. Certains ont acheté, d'autres n'ont pas acheté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il faut prendre le sel même percé là. Tu laves tes mains avec, tu laves ton corps. Tu parles sur toi. Quand tu parles là, j'appelle ton argent à cet instant comme tu m'écoutes. Reçois l'argent qui te bloquait. On va te contacter, dis que je te paye sur quel compte? Oui, partons signer le papier là, finalement, je te donne. Le terrain là, oui, oui, il a accepté. Prends l'argent, prends le terrain. Ceux qui veulent vendre leur terrain depuis là, reçois ton acheteur avant la fin de la journée de demain. Concluez cet accord. Je mets l'accélération sur tes affaires. Tu fais le visa, tu n'as pas le billet d'avion. Reçois ton billet d'avion. Voilà. Tu vas te surprendre. Tu viens te plaindre dans mon direct. Tu bois le jus. Ça fait 12 mois que je n'ai pas d'enfant. Et puis quoi? Tu souffres plus que qui? Tu veux que les gens qui m'écoutent ici là te racontent leurs problèmes? Hein? Même s'il faut aller vendre l'eau à Washington, tu sors, tu peux vendre l'eau dehors. Tu parles de quoi?
Tu songes pas à nettoyer les toilettes des gens, on te donne l'argent. Paresseux que vous êtes, plainteur, plaintif, plainteuse. J'enlève les plaintes de vos doigts et de vos bouches. Sortez, vous partez, vous démerdez pour trouver l'argent. On se moque de vous, vous n'êtes pas content. Depuis, on se moque de toi. Depuis là, on se moque de toi. Dis, depuis qu'elle est arrivée là-bas, elle n'a jamais envoyé l'argent à quelqu'un. Les égaux ont acheté le terrain ici. Tu es là-bas, tu te plains, mes choses ne marchent pas. J'enlève les excuses de votre esprit. J'enlève les excuses de votre esprit. Au nom de Jésus. Personne ne doit me suivre, les pauvres. Tu me suis, tu es bloqué, signal, je te bloque. Tu me suis, tu es pauvre, signal, je te bloque. Mes followers vendent l'eau, ils vendent les croquettes. Mes followers lavent le sol. Ils viennent le matin, ils lavent le sol ici. À midi, ils partent là-bas, ils nettoient, ils font quoi là? Ils emballent les choses, ils vendent. Le soir, ils sont de l'autre côté en train de faire. On fait tout ce qu'on doit faire. Attends un peu, je te bloque. Pardon, qu'est-ce avec tes bêtises là? Pardon, qui est où? Je vous connais, non, les cheptaines paresseuses là. J'attends que l'homme vienne. Il y a l'homme qui va gna gna gna. Sortez de mon direct. Pardon, priez pour moi. Les gens en priant, ils sont en m'écoutant, les gens sont en train de fabriquer ce qu'ils vont vendre demain. En m'écoutant, les gens sont au pointage, en train de balayer le sol, en train de toucher la machine comme ça là. C'est comme ça qu'on fait. Moi-même, je suis en train de travailler, vous faites le direct. Et il est quelle heure? Il est 21h, où je suis. C'était puis les 22h. Les gens spirituels qui vous amènent dans la paresse là, je ne suis pas dedans. Hein. Dieu bénit ce que tu as commencé à faire. Dieu bénit ce que tu es en train de faire. On ne dirige pas la voiture qui est garée quelque part. Voilà. Si mon dialogue ne vous plaît pas, mon monologue ne vous plaît pas, vous vous désabonnez. Si vous avez suivi, non. Je ne veux pas les followers qui sont paresseux, qui sont bloqués. Tu es bloqué parce que tu t'assois, tu te plains tous les jours. Je vous débloque. Je te soulève de là où tu es. Je te soulève de là où tu es. Que tu quittes la chaise là, tu regardes quoi sur les novelas. Je n'entre jamais dans une chambre d'hôtel, j'allume la télé. Je ne connais même pas les chaînes. Tu vois quoi sur la télé? La télé te voit. En m'écoutant, tu déposes le téléphone à côté, tu es en train de travailler. C'est comme ça qu'on fait. Paresseux que vous êtes là. Oh, je suis bloqué. Vous avez déjà dit que même le blocage va s'étonner. Même le blocage va te voir. Ah, le gars, c'est là, pardon. On l'a trop bloqué. Il est là, il travaille toujours, c'est quoi? Mais c'est ça. Franchement, je viens même de faire ton travail. On va t'envoyer la vidéo demain. J'ai un travail sur toi maintenant. Peut-être que tu as même senti ça là où tu étais. Je suis en train de faire les travaux. Je suis en train de travailler sur les gens. Donc, vous recevez vos vidéos progressivement parce qu'il y a beaucoup de personnes. Pour le travail qu'elle fait sur vous, c'est là, votre aura s'ouvre. Vous recevez les idées. La peur a disparu de votre esprit. La peur disparaît. Tu te lèves, tu pars, tu fais. J'étais arrivé en Turquie. Puis je vois le nombre de personnes du Khmer. Pour 5 personnes qui passent au Cameroun, ici, là, on a 50 personnes. Peu importe le business que tu fais, ça va marcher. Voilà. Levez-vous de vos lits. Voilà, vendredi, tu es couché dans le lit, tu veux faire l'amour. L'amour te fait. Ne me suivez pas, vous êtes paresseux, ne me suivez pas. Je vous ai déjà dit. Mais ça va vous énerver. Que oh, la femme, c'est là, ça bouge. Oui, c'est de pousse, tu pars, tu as l'argent, c'est bon. Tu vas conduire ta Prado en m'écoutant. Tu vas dire que non, la femme, ça a fait quelque chose pour moi. Vous êtes là, vos gens vous regardent. Quand tu n'as plus, n'est-ce pas, on te quitte. Tu n'as plus, on te quitte, n'est-ce pas? Même tes enfants te quittent. Tu as eu l'enfant, tu es pauvre. Ton enfant aime ton frère. Parce que ton frère a l'argent. Même les enfants nous aiment parce qu'on leur donne. Quittez vos bêtises là. Vous n'avez pas encore compris le principe de la vie. Bon, j'étais de passage. Bye.